Salut tout le monde, c'est Kiwi. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle, eh bien nouvelle vidéo sur Farming Simulator. Ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va commencer à investir notre argent. Donc pour l'instant, en fait, je vais tout décaler. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors j'ai pris de la chaux parce qu'en fait mon champ là a besoin de chaux, voilà tout simplement. Donc j'en mettrai tout à l'heure. Enfin, ou la prochaine fois, je suis coincé. Parce qu'aujourd'hui on a pas mal de boulot qui nous attend. Voilà, je peux me permettre de rouler dans mon champ étant donné que... D'ailleurs, attendez, je peux même déposer des trucs dans mon champ en fait. Hein. Pour commencer, parce que je m'en fiche un peu là de tout ça. Voilà, on va juste pousser là. Comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une mission sur ce champ là. Pour ensuite l'acheter, les amis. Et oui. On va acheter ce champ. Pour après faire un très grand champ. Voilà. Donc il faudra que je fasse un petit prêt à la banque. Mais ça, honnêtement, c'est pas gênant, je pense. Bon, je pose tout en vrac sur mon champ. Histoire de faire un peu vite. Au pire, je rarrangerai tout ça plus tard. Quand je travaillerai sur deux champs. Par contre, quand je travaille sur deux champs, il faudra que je me trouve un petit endroit où me mettre tout ça, quoi. Parce que... Alors, attendez. Il faudrait que je pousse mon peu d'engrais qui me reste, là. Alors, attendez. Bon, l'engrais me gêne un petit peu, là, pour être franc. Attendez, on va se remettre mieux, parce que j'étais pas bien en face. Du coup, j'ai pas mis l'engrais au bon endroit, c'est chiant. Dégage. Merci. Attendez. Ah non, c'est comme ça que ça marche. Je cherchais le bouton pour... Dégagez ça. Voilà. Punaise. C'est pas ça que je voulais faire. Est-ce que je peux... Ouais, donc c'est pas ça que je voulais. C'est bon. Ok, donc là j'ai dit je décale tout. Je me fais une mission pour récolter l'herbe, ici, vous voyez. Et bon, je pense qu'on s'arrêtera là. Et qu'après, en fait, j'ai déjà réfléchi à ce qu'il faut que je fasse. Donc je fasse un prêt d'environ un peu plus de 100 000 euros. Voilà, on pousse ça dans notre champ, évidemment. Et on amène la moissonneuse. Donc là, on va faire un peu d'herbe. Je vous avoue que ça fait très longtemps que j'en ai plus fait, les amis. Pour l'instant, je travaille pas mon champ, mais c'est normal. Ok. Allez, je vous montre. Donc le champ 20, il va coûter... Oh, excusez-moi. Fausse manip. Le champ 20 va coûter 227 000. Donc j'ai. Donc voilà, ça va falloir que je fasse un petit peu plus, pardon, de 100 000 euros de prêt. Voire même un poil plus, parce que si j'ai de l'engrais ou quoi à récupérer. Et le champ 20, donc il y a du pressage. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois faucher l'herbe dans le champ 20. Ensuite, je mets l'herbe en balle. Et je dois l'emballer. Alors. Pourquoi je fais ça? C'est parce que j'ai besoin de louer leur matos. Et bon, ça me donnait 2 000. Bon. Honnêtement, ça aurait été un autre champ. Enfin, ça aurait été un champ, par exemple, de récolte traditionnelle. Je l'aurais fait avec mon matos. Et enfin, j'aurais acheté le champ, j'aurais fait avec le matos direct. Mais là, c'est de l'herbe, honnêtement, j'ai pas envie de trop me faire chier. Donc, on va emprunter les objets. Voilà. Alors, ouf, alors là par contre j'ai beaucoup de trucs.
J'ai beaucoup de trucs. Alors attendez, donc Je ne sais absolument pas ce qu'on m'a filé. Donc ça, c'est le truc que je vais mettre probablement devant pour couper de l'herbe. D'habitude, j'en ai un deuxième. D'habitude. Ça coupe de l'herbe, ça? Ça fait quoi, ça? C'est quoi? C'est le New Online Disc Bind. Enfin, Disc Bin. Écoutez, je connais pas. On va regarder. Ça doit être là-dedans. Ça va être dans quoi? Punaise. Je connais rien, je connais rien, je connais rien. C'est une faucheuse, peut-être? Ouais, si, c'est celle-là. Donc là, en fait, ok, je suppose que je mets ça d'un côté. En fait, moi, d'habitude, j'avais l'habitude de travailler avec ça, en fait. Ça plus ça. Comme ça, j'avais ça devant et ça derrière. Et du coup, je coupais, vous voyez. Et sauf que ça a coupé l'herbe. D'accord. Donc je suis. Alors pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça du coup et de ça? Je sais pas trop là, je vous avoue. Ça va être pour faucher l'herbe, je suppose. Et ça pour mettre en balle. Bon, je connais à peu près l'utilité de toutes les machines. Est-ce que je peux pousser ça ou pas? Sauf peut-être de celle-là, là. De la grosse. Parce que là, je peux déployer la faucheuse. Alors, attendez. Pourquoi est-ce que ça couperait de travers? Ah! Ok. Ok, c'est bon. J'ai pigé. Enfin, je crois que j'ai pigé. Je vous dis bien, je crois, parce que j'en suis pas sûr. Eh bien, ce tracteur-là. Eh, il carbure, hein? Punaise, c'est pas comme le mien. Hein. Ouais, en fait, ok, ça coupe. Ça va couper de travers. Et j'ai mon truc à moi qui coupe devant. Ok. Ça, je suis pas fan, honnêtement, je préfère ce que j'ai d'habitude, c'est-à-dire le truc qui coupe droit devant moi et les deux qui coupent derrière moi directement. Alors, on va voir hein, ce que ça donne de toute façon, voyons un petit peu. Donc là, j'ai ce champ à couper, alors attendez. Ça, on fait ça, on baisse la faucheuse ici. Ok, et on active, donc ça c'est bon. Par contre, punaise, c'est fort, hein. Voilà. Je baisse un petit peu parce que. Voilà, et donc là, ok, donc là ça va couper sur le côté comme ça. On baisse la faucheuse également et on active. Alors je vous avoue que déjà je sais pas trop où c'est qu'il faut que je coupe. En fait je sais pas trop quelle est la limite du champ en fait. Vous voyez? Genre ouais là je sais pas en fait. Est-ce que je dois vraiment couper ou non? Donc attendez. Bon, on va faire ça au pire. Je coupe ça de manière vraiment un petit peu à l'arrache pour commencer. Ah, ok, donc là je coupe rien du tout. Et donc là le champ a l'air de commencer ici si je dis pas de conneries. De toute façon au pire je couperai tout ça moi et basta. Hein. Enfin, je vais pas m'embêter pour être franc. Avec tout ça, ok. Ah ouais, mais attendez, là ça va pas être pratique là. Attendez. Ouais, c'est pas pratique dans le sens où.
En fait, je sais pas où c'est que mon truc s'arrête, quoi. Ouais. Alors, je vous avoue, je vais lâcher ça. Honnêtement, honnêtement, c'est trop chiant. Je préfère passer plus de temps à faire moi mon côté. Vous voyez, à faire ça comme ça plutôt que l'autre machine, parce que l'autre machine en fait c'est un peu galère, je trouve. Donc, bon, attendez, mais ça coupe rien cette machine de mort là. Ah putain, j'étais pas bien mis. Ok, bon, bah l'herbe c'est chiant à faire. Déjà, ça m'a déjà saoulé. Quoique, je vais quand même prendre l'autre machine. Vous voyez? Et je vais faire au moins ça de manière très grossière. Et je ferai les finitions plus tard avec juste ça. Parce que là, ça va mettre trop de temps et ça va être horrible pour rien. Donc... alors attendez, faut que je récupère le bordel là. Mais ouais, en fait, c'est pas méga pratique ça. Je préfère quand c'est derrière moi en fait. Je sais comment ça va tondre et j'ai pas de... Vous voyez? On active la faucheuse. Est-ce que ça coupe du coup ou pas? Ouais, moi je sais pas trop sur laquelle je suis pour être franc. Désactiver, baisser faucheuse. Ok, c'est bon. Donc là, je pense que j'ai tout. On va voir, de toute façon. Mais ouais. Donc de toute façon, je pense qu'on va se faire... voilà, on va couper ça comme ça. Et hein, ça, c'est un peu... Et je pense qu'on va faire des carrés comme ça, oui, j'allais dire des cercles, mais ouais. Donc de toute façon, ouais, il va me rester des petits morceaux. Mais c'est pas gênant, hein. Je les finirai moi plus tard. Vous voyez, ce genre de truc là, quand je vais tourner. Donc bon, c'est pas grave. En fait, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça coupe vraiment bien quand même, hein, le truc. Ouais. Bon, c'est vraiment... Tu sens que je fais ça vraiment à l'arrache, hein. En fait, je pense qu'il faut que je prenne vraiment large, en vrai, pour que la machine ait le temps d'arriver. Je pense, en fait, que c'est ça qu'il faut que je fasse. Ouais, mais après le truc c'est que je peux pas non plus prendre méga large parce que j'ai quand même des arbres et tout, donc je sais pas trop. Après ça va vite, on va pas se mentir avec ce matos, ça va ultra vite les amis. Et je vous dis, je repasserai là sur ce genre de petits trucs. Où j'ai un peu foiré, mais bon. Honnêtement, ça devrait passer, je pense. Et de toute façon, après, j'ai qu'à utiliser... voilà, le truc pour dégager les... Enfin, pour battre un peu. Un endainer, je crois que ça s'appelle. Pas sûr du terme, pour être franc. Mais je crois que c'est ça le terme, hein. Ouais, donc là, faut que je continue ici. On va continuer comme ça, direct. Voilà, je vous dis, je fais ça vraiment très très grossièrement. Après, faire les balles, en vrai, ça devrait aller. Et après, je disais... Ouais, mais après, j'en fais quoi de mes balles, moi? En fait. Parce que c'est bien joli, là, ce qu'on me demande. Mais j'en fais quoi de mes balles, après? J'ai pas vu une machine où j'en faisais quelque chose. Ouais, tiens, ça c'est une bonne question. Parce que je dois les amener à la grange, mais Ok.
Un peu bizarre quand même comme truc. Voilà, après je pense que j'ai posé cette machine et je vais faire ça en mode finition, vous voyez un peu le truc. Voilà. Bon, ouais, franchement, ce tracteur est vraiment cool pour le coup, donc ça va. J'ai un peu fait ça à l'arrache quand même, hein, mais genre vraiment beaucoup pour le coup. On va au moins essayer de couper tout ça droit là, vous voyez. Voilà, qu'il n'y ait pas de. Il n'y a pas de, comment ça s'appelle, de gâchis. Parce que là, en fait, je sais pas le champ jusqu'où il va, c'est un peu perturbant. Parce que là, à la limite, en soi, je vous fais toute la forêt, quoi. Parce que là, vous voyez, ici, j'ai pas l'impression que ça m'ait ramassé des trucs. J'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment ramasser, vous voyez ce que je veux dire? Bon, on verra. Allez. Donc là, on va se faire ça. Et après, je vous expliquerai un petit peu ce que je compte faire de ces deux champs. Du coup, bon, en fait, je peux même vous le dire maintenant. En fait, ce que je veux faire, c'est évidemment d'en faire plus qu'un. Donc pour ça, il faudra que j'utilise, je crois que c'est une charrue qui permet de créer des champs. Et après je planterai quoi? Du blé. Pourquoi du blé? Tout simplement parce que j'ai envie de faire des poules. Histoire de commencer à avoir un petit peu d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Et le blé c'est un truc qui est facile à faire. Je me dis je fais un grand champ et je pose tout dans un silo et basta. Et j'ai assez pour faire après autre chose que du blé pendant peut-être... voilà. 2-3 récoltes, c'est un peu ce que je me dis. À voir si c'est le cas. Mais ouais. C'est un peu ce que je. Ouais, ce que je souhaite faire, vous voyez. Donc, et du coup, bah, tout ça, il faudra que je l'englobe dans le prêt. Et après, il faudra que je commence à voir pour le rembourser. Faudra que je vois aussi les à combien s'élèvent les échéances pour le coup. Mais ouais, je pense que ça devrait être rentable quand même avec avec des ventes et surtout que là maintenant j'aurai un très grand champ. Donc ouais. Je pense que ce sera pas mal. Allez. Bon, par contre, je vous avoue que faire de l'herbe, c'est chiant. Enfin, avec ce matériel, en tout cas, je pense qu'il y a du meilleur matériel que ce qu'on m'a donné là. Ah, je pense que je me suis mal pris, en fait. Aussi. Mais bon, tant pis, hein. Ça, j'ai eu quelques ratés, mais c'est ok. Je pense que ça, c'est un peu la phase la plus chiante avec le. Avec la récolte des balles. Attends, on va récupérer ça. On va récupérer ça ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça là. Là, j'ai quasiment fini mon champ déjà sur la coupe en tout cas. Donc, bon. J'ai pas été le plus rapide du monde, mais bon, ça fait le taf. Ça fait le taf, les amis. Voilà, on repassera un petit coup pour vérifier. Voilà, on passera un petit coup sur le champ. En fait, c'est perturbant parce qu'il y a des morceaux d'herbe, enfin des brindilles que je peux enlever. Il y en a d'autres que je peux pas enlever, vous voyez. Un peu étrange ça. Ok, bah je pense qu'on est bon là.
Attendez, j'en ai peut-être oublié un petit peu là, mais je sais pas si c'est des trucs que je peux enlever ou non. Ouais, si ça, je pouvais l'enlever, par contre. Ok, cool. Voilà. Donc là, on dépose ça. Maintenant, si je... Parce que là, en fait, j'ai... Donc, je suis à 20%. Ensuite, je dois mettre l'herbe en balle et emballer là pour faire des balles d'ensilage. Et je dois apporter les balles à la grange. Mais est-ce qu'ils m'ont donné tout le matos, en fait, qu'il me fallait? Parce que là, j'ai un sérieux doute. J'ai un sérieux doute. Faut tellement garer mes tracteurs ici, quoi, s'il n'y avait pas tout ça qui foutait le bordel sur le truc. Je suis un peu déçu, je vous avoue. Je suis un peu déçu. Mouais. Mais parce que là, vraiment, hein, je vois pas sur quoi je mets mes balles, hein, à terme. Ah, attendez. Est-ce que ça, c'est pas un endroit où on met des balles? Ah, si, attendez, ça, c'est pour prendre des balles. Après, on va en donner deux. Je sais pas trop. On verra. Donc, ça là, c'est l'endener. Donc, si je regarde. Ouais, je suis désolé, hein, je suis obligé de regarder à chaque fois ce que ça fait parce que. Je crois que ça fait en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça me les met en rangée en vérité pour que je puisse les récupérer plus facilement. Ok, ok, c'est bon, ça c'est cool en vrai. Ça devrait aller, je pense, assez vite. Surtout que ça a l'air d'être d'avoir assez d'envergure. Donc, on va voir. Après, je pense qu'en vrai, avec de l'habitude, de l'herbe, c'est pas très compliqué à faire. Donc, je pense, hein, peut-être que je me trompe après, mais dites-moi en commentaire. Mais je pense en tout cas que si on a l'habitude du matos qu'on utilise, je pense que c'est ok. Alors attendez, voyons voir la bête un petit peu. On déploie l'endener, voyons un petit peu ce que ça donne ça. Ouais, c'est quand même sacrément grand, hein, on va pas se mentir. On active, on baisse. Et donc là, normalement, si je dis pas de bêtises. Voilà, et là, le but, c'est d'essayer d'aller le plus droit possible. Donc pas comme ce que je fais là, pour que ce soit plus facile à ramasser. Ouais, c'est ça. Par contre, effectivement, il n'y a pas trop de place ici, quoi. Pour tourner, c'est un peu la merde, hein, pour être franc. Ouais, voilà, ça c'est cool en vrai. Et encore là, je suis pas du tout optimisé parce que là, vous voyez, ça a pas fait une grande ligne. Mais en vrai, il faudrait que je me mette vraiment que l'endener de droite, en fait, touche à chaque fois la zone au max, vous voyez. Ouais, je pense que comme ça, on est pas mal. C'est sympa en vrai quand même comme machine, pour être honnête. Enfin, moi j'aime bien. Par contre, là, pourquoi il m'a pas ramassé ce qu'il y a là? C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et tout ça après, on met ça en balle. Donc, ça, même chose, hein, ça va pas être très compliqué pour être franc. Il va juste falloir que je... Comment ça s'appelle? Que je...
récupère en fait, que je fasse ligne par ligne en fait, et basta. Mais par contre, ouais, après, il faudra que je vois comment je gère mes balles en fait, parce que ça c'est mon point noir pour l'instant, quoi. C'est un peu mon point noir. Ah, c'est quand même stylé. Ça, c'est plaisant, par contre, pour le coup. Ah, là, ça va me gêner, cette machine, là, pour le coup. Ouais, ça va me gêner un petit peu. Alors, attendez. J'essaie de tourner comme ça. Et de récupérer. En vrai, je peux me permettre de pousser ça, je pense. Yep, c'est bon. Bon, je pense quelques rangées encore et on sera bon. Oh là, oh là, oh là, oh là. Je vais trop à droite, je pense. Attendez. Quoique, quoique, quoique. Bon, là, cette ligne, elle sera pas du tout droite, mais bon, c'est pas grave. Hein. Bon, du coup, cette vidéo sera peut-être un peu plus longue parce que je sais pas si je vais faire des accélérés ou quoi. Peut-être que je vais vous laisser toute la récolte, vous voyez. Par contre, après, pour créer les champs, ça va être long. Je pense que je le ferai hors vidéo, ça. Parce qu'après, il va falloir que je fasse plusieurs tests. Donc, ouais, ça, je le ferai probablement hors vidéo parce que, ouais. Là-dessus, par contre, je me sens pas du tout confiant. Donc, ouais. Ah, sympathique la pelouse en vrai. Enfin, une fois qu'on a passé l'étape de coupe, c'est sympa. Après, autant les autres trucs seront chiants, mais pour l'instant, en tout cas, ça va. Par contre, ouais, je me suis tellement mal pris. Au final, je fais des courbes et tout, c'est n'importe quoi. Moi qui avais dit qu'il faudrait que ça soit droit, bah. Alors là, je peux vous avouer que. On est loin du droit. Ouais, je pense encore une petite rangée après ça, là, je pense. On va voir. Et la dernière, bon, on va se mettre où? On va se mettre par là, je pense. Hein. Un peu au milieu, vous voyez, comme ça, je peux ramasser ce que j'ai à droite et à gauche. J'espère que ça va suffire. Merde, ça suffit pas. Parce que du coup, je ramasse pas vraiment ce que j'ai là. Entre les deux. Bon, c'est pas grave. Sans repli. Je roule pas sur mon champ parce que j'ai peur J'ai peur de casser mes beaux andins, donc tant pis, hein. Bon, on dépose ça. Oula. Bon, je pense que là, en réalité, je me serais retourné plus d'une fois. Mais est-ce que c'est grave, les amis? Et donc du coup, on est d'accord que ça c'est bien tout ce que je devrais faire si jamais je fais des moutons, hein, c'est bien ça. Il faudra que je fasse de l'herbe et que je fasse du coup tout ce que je fais là. Et que je fasse des balles ou alors j'ai pas besoin de faire des balles. Non si, je pense qu'il faut que je fasse des balles et que je dépose les balles dans leur auge, hein, je pense. Hein. Mais par contre vraiment ça me... Je comprends pas pourquoi il me donne deux trucs comme ça là. Ouais, je sais pas trop.
Du coup, bah, peut-être que je louerai le. J'allais dire la machine, mais en vrai, si je loue la machine. Là, du coup, je perdrai en fait en un peu en rentabilité, quoi. Ouais. Un petit peu. Et du coup, je me tâte quand même à l'acheter en vérité, la machine. Pour faire les. Pour comment ça s'appelle? Pour. Ah mince, je suis allé un peu loin là. Pour. Comment ça s'appelle? Pour faire les. Attendez, on déploie déjà. C'est bon, elle est déployée là? Ok. On active et on baisse. Ok, c'est bon. Là, normalement, ça devrait être bon. Pour faire les. Comment ça s'appelle? Bah, pour mettre les balles en fait, tout simplement. Ok, c'est bon. Ok, donc là maintenant j'ai plus qu'à attendre que ça me fasse du coup ma petite balle, c'est ça? Attendez. Ok, donc ça me fait la balle tout seul. Ah, ça c'est bien par contre. Oh, ça me fait la balle et ça me l'enrubanne tout seul directement. Et du coup, est-ce que je peux ramasser pendant que ça fait ça? Ah ouais, ah c'est bien en fait, hein, comme machine. Ah oui, donc par contre, faut que je la décharge après quoi, la balle ronde. Hop là. Ok. Et par contre, je peux continuer à faire ça. Ok, sympa, sympa, je vous avoue. Ah oui, donc pendant que ça fait ça, par contre, faut que je m'arrête pour que ça me l'envoie là-bas. Et du coup, là, je peux re-ramasser en fait ça. Ouais, c'est ok. C'est bon, j'ai pigé le truc. Et ouais, par contre, ça va falloir que je les bouge en fait. Mon problème est là en vérité. Mon problème est là. Punaise. C'est quand même galère, hein. C'est quand même galère. Ok, c'est bon. D'accord, et donc là, je peux décharger ma balle comme ça et continuer là. Ok, c'est bon. J'ai pigé le bordel. Oh, je pense que... Putain. Je pensais pouvoir finir en fait. Donc là, par contre, je peux re-ramasser maintenant, c'est ça. Ok. Bon, elle est plutôt sympa cette machine quand même, hein, soit dit en passant. Ouais, elle est plutôt sympa. Elle fait tout, franchement. Genre pendant que c'est en ruban, je peux continuer à faire des trucs, vous voyez? Donc non, honnêtement, ça me va. Honnêtement, ça me va, ouais. Donc là, on décharge. On continue de charger ça. Voilà. On s'arrête. Bon, c'est un peu long parce qu'il me faut le temps à chaque fois que la balle change de côté. Mais enfin, qu'elle passe à l'enrubannage. Mais bon. Après, honnêtement, ça passe plutôt tranquille. Ok, donc là, je vais déposer celle-là ici. Tant pis. Ouais, par contre, en fait, j'ai pile le temps de ramasser le truc et après on passe direct à on la vire quoi. Ouais. Donc on fait ça. Voilà. Là on fait ça du coup. Ouais, c'est dommage en fait qu'il y ait ce petit temps mort, vous voyez? Ça aurait été plus fluide si. C'est direct en fait, ça me faisait tout tomber tout seul et ce genre de truc, mais bon, on va pas non plus se plaindre les amis. Oh, elle roule toute seule celle-là là. Elle compte aller où? Mince.
Bon, là, j'ai fait n'importe quoi. Stop, non, peut-être? Attendez. Je vais la repousser, celle-là, parce que... Elle m'inquiète un petit peu, je vous avoue. Bon, la déposer là, tant pis. Ah, je suis tellement pas optimisé, par contre. Putain, là, je fais n'importe quoi. En fait, j'essaye de bien me mettre, mais c'est un peu galère, là. Ah, c'est bon. Ça y est, on a repris le droit chemin, les amis. Il ne me restera qu'une ligne à faire. Voilà. Non, vraiment agréablement surpris. Même très très agréablement surpris. À voir comment je transporterai ça après, mais... Ouais. C'est bon, je peux avancer. Cool. Bah déjà plein, faut pas abuser par contre les gars. Faut pas abuser là. Et par contre ouais, après ça va me demander beaucoup de... Oh par contre attendez, j'y pense là, mais quand mon champ sera... Quand j'aurai mes deux champs et que j'aurai une récolte, par exemple du maïs, non du blé j'ai dit. Ça va me donner... Punaise, je vois rien. Tellement de balles. Après? Oh là 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 là. Ouais, il va falloir que je vois pour faire des choses. Ah, mais on a dit peut-être que je partirais sur de l'auto-chargeuse. Ouais, je vous avoue qu'on partira peut-être sur ça. Parce que... Mince. J'ai oublié de décharger. Ouais, parce que là, je me vois pas... Je me vois pas continuer ça sans temps, quoi. Déjà, là, je vais refaire des balles. Je me vois pas refaire... Non, refaire ça. Donc non, non, en fait, je vais même pas acheter la machine, vous savez quoi? Même pas. On va décharger ça. J'achèterai plutôt une auto-chargeuse dès le début. Ouais, mince. Ouais, je pense que ça sera plus simple. Il reste deux lignes... Ouais, deux petites lignes, on va dire. Ça va. Ouais, je ferai ça parce que... Ouais. Bah, histoire qu'en fait, je gagne du temps, quoi. Parce que bon, charger les balles... Ouais, tout seul, c'est cool 2 secondes, mais honnêtement... C'est un peu relou, quoi. J'ai pas, en plus, j'ai pas de remorque vraiment adaptée pour. J'ai pas de... Vous voyez un peu? Allez, dernière ligne. Ouais, mais là, en fait, je suis en train de me dire que ça va pas me finir la ligne. Est-ce que je pourrais juste décharger cette petite balle? Je sais pas. En tout cas, vous voyez, il me reste peu à faire sur la ligne. J'ai un petit doute. Ah, quoique, ça remplit quand même assez vite. Ouais, mais non. J'en aurai pas jusqu'au bout. Quoique, non. Quasiment, mais non. Voilà, et comment je fais maintenant? Maintenant que j'ai plus de... Maintenant que j'ai plus rien, je fais quoi? En fait... Que là, du coup, tout ce... genre là, je perds quasiment une... Je perds une balle, en fait. C'est... Ouais, bon, tant pis, hein. Tant pis. On va aller chercher les trucs, là-bas. Et on sera bon.
Oh non! Oh non. Oh non. Oh, ça c'est la merde. Ouais, vas-y. Oh non, tu peux le faire, vas-y. Vas-y. Merci. C'est bon. Ouf. Est-ce que je suis dans le bon sens? Oui, c'est bon. Oh, ce qui devait arriver, arriva. Hein. À force de conduire comme un fou. C'était sûr. Alors. Par contre, ouais, j'ai un vrai doute sur ça là. Hein. Parce que ça, je pense que je peux en prendre qu'une par une de balles. Attends. Déployer chargeuse à balles. Oh, attendez. On peut déployer le truc là. Ah, je peux les prendre deux par deux. Ouais, et après? Et après, en fait, j'en fais quoi? Non, parce que c'est cool, hein, de pouvoir les prendre deux par deux, mais j'en fais quoi après? On va voir. Attendez, j'ai peut-être replié le truc pour l'instant. Non, trompé. Parce que bon, en vérité, je me sens pas d'aller à la grange à chaque fois que j'en prends deux, quoi. C'est peut-être ce que je ferais, mais pour être franc, c'est pas... Mouais. On se comprend, hein. C'est pas le... Le mieux, quoi, je pense. Mais bon. Alors, attendez. On fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et on prend... Un imprime écran, voilà. Attendez, déjà on déploie ça. Déjà. Ok. On descend le bordel. Il est descendu là? Ok. Et après? Ouais. Alors attendez. Comment ça marche du coup ce truc? Ok. D'accord, donc en fait, je peux en mettre 3 en vérité, et c'est tout. Donc là, on est en train de me dire que... Attendez, est-ce que je peux les ramasser comme ça? Attendez, même pas, parce que ça tient pas, bordel. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mis à part qu'on dirait des gros chamallows, là, je vois pas. Mais comment ça marche, ce truc? Parce que je comprends à peu près bien qu'il faut que je les récupère... peut-être sur le côté. Attendez, on va essayer de voir. Celle-là, là, pour voir. Est-ce que je... Putain. Bon, attends, on va essayer l'autre au fond, là. Que là, en fait, je vois pas comment ça marche, en fait, le truc. Parce que... Attendez. Est-ce que c'est pas juste je récupère au milieu et c'est tout? Non, ce serait nul, ça, vraiment. Non, même pas, parce que ça passe même pas, de toute façon. Bah, super. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai mal compris sur la machine? Ouais. Parce que là, comme ça, je veux bien. Ah. Attendez, je peux les mettre comme ça après. Ah, mais ouais. D'accord. Attendez. Je crois avoir pigé le truc. Attendez, on va baisser du coup. Ouais, mais non, au milieu, en fait, je peux rien faire au milieu. C'est nul. C'est juste nul en fait ce truc. Attendez. Attendez, c'est censé vraiment marcher comme ça là? Parce que si c'est ça, c'est de la merde. Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette merde qui m'ont refilé là?
Attendez, j'essaie de récupérer avec mon truc à moi. C'est... Ouais, hein. Mince. Je peux peut-être les faire qu'une par une, mais ça m'a l'air un peu plus facile quand même. Allez, mais attendez, est-ce que j'ai une chargeuse avant? Bien sûr que non. Ah, quel jeu de merde. Allez, on y va. Bon, bah en tout cas, ça m'a pas l'air méga, méga pratique quand même, hein, cette histoire. C'est peut-être le côté chiant, quoi, là. Ah, attendez. Est-ce que tout simplement je peux récupérer mes bottes avec ça, quoi? Peut-être moi, c'est ça ma vraie question. Parce que si je peux pas, je sais pas comment faire. Parce qu'avec l'autre machine là, ça m'a pas l'air optimisé quand même. Hein. Mais je pense que j'utilise mal, c'est pas possible. Mince. Est-ce que je peux la récupérer comme ça? Je pense pas, mais bon. Ouais, non, je peux même pas. Oh, je peux pas. Hein. Bon, bah écoutez, les amis, dites-moi en commentaire comment c'est censé marcher là, la machine. Cette machine démoniaque là. Où c'est que je l'ai posée? Ouais, cette machine là, là. Dites-moi comment c'est censé marcher, s'il vous plaît, parce que je vois pas. Et surtout, pourquoi est-ce qu'il m'en donne deux? Parce que pour moi, avec une, j'ai assez, vu qu'il me donne qu'un seul tracteur. Mais peut-être que encore une fois, il y a quelque chose que j'ai pas pigé. Donc voilà, bon, on va s'arrêter là, les amis. J'espère que ça vous a plu. Donc la prochaine fois, ce que je vais faire, c'est que je réunis les deux champs et je plante du blé. Et voilà. Donc sur ce, les amis, on s'arrête. Je vous souhaite une bonne journée et un bon dimanche. Ciao tout le monde!